J'ai rencontré aussi un monsieur, un éditeur, qui lui avait des livres vraiment spécialisés, des livres qui traitent de la manière dont on devient écrivain. Comment est-ce qu'on écrit? C'est quoi une nouvelle? C'est quoi un roman, comme nous avions déjà dit? Et cet éditeur m'a dit que ils organisent chez eux à Angers, en France, des résidences d'écriture. Donc les gens peuvent aller là-bas pendant 5 jours. Eh bien, ils sont encadrés, on leur montre comment faire. On appelle ça résidence d'écriture. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je vois sur la table des livres qui aident les gens à pouvoir écrire. Oui. Vous êtes basé où est-ce que vous habitez? On est basé dans l'ouest de la France, à Angers, dans la ville d'Angers. Et vous faites des ateliers d'écriture? Nous faisons des séjours d'écriture, de 5 jours. Des séjours? Oui, des séjours une fois par an, des séjours de 5 jours. Et selon l'expérience que vous avez, de quoi les gens ont-ils le plus besoin? Est-ce qu'ils ont besoin de savoir distinguer les genres littéraires, les styles, la maîtrise de la ponctuation, la grammaire? Qu'est-ce qui est le plus utile à votre avis? Ben, de loin, le plus utile, c'est que les gens comprennent la différence entre les genres, hein, par exemple entre l'essai et la fiction. Est-ce que vous pouvez nous donner cette différence-là brièvement? La fiction, c'est une histoire, même si elle est inspirée d'une histoire réelle, elle doit donner l'impression que tout est inventé, que tout le cadre, les personnages, alors qu'un essai est plus ou moins proche de la réalité. Voilà. Si vous parlez par exemple de votre expérience personnelle, professionnelle, là, vous écrivez un essai. D'accord. Si vous vous basez sur votre histoire, sur une histoire vécue, pour créer un roman, là, ce n'est plus un essai. Vous racontez tout comme si c'était inventé. Et vous êtes éditeur? Je suis éditeur, je suis auteur. Voilà. Et vous exigez qu'on vous paye pour éditer un livre ou bien vous prenez tout à votre compte? Non, nous sommes éditeurs à compte d'éditeurs, c'est-à-dire que les livres que nous publions ici, ce sont des guides pratiques et les auteurs sont des auteurs de vrais auteurs qui sont à compte d'éditeurs. On signe un contrat avec eux et on leur verse les droits d'auteur. Ils n'ont pas un centime à payer. C'est plus au contraire nous qui leur payons les droits d'auteur. Je vous remercie, monsieur. Vous pouvez vous présenter? Je suis Victor Boidio. Je suis français d'origine camerounaise. Voilà, et je suis le directeur de cette structure éditoriale. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Bonjour madame, vous pouvez m'expliquer un peu les livres que je vois devant ici? Je connais monsieur qui l'a fait. Oui, bonjour monsieur. Voilà, il s'agit de SOS Planète Congo, Les Contes de la Forêt et de Dame la Lune. Et c'est pour les enfants, pour les Bana Congo. Alors, on commence par des illustrations de Jean-Claude Offeniak, un artiste populaire. Un conte va sensibiliser par exemple au braconnage dans ce cas-ci. Il s'inspire d'animaux. Ces animaux ont tous une vie au Congo, que ce soit la petite antilope qui est ici, que ce soit le perroquet gris du Gabon, que ce soit le caméléon, la bongo. Et ensuite, on va avoir des références culturelles à ces masques qui se trouvent dans différents endroits et qui permettent en fait de montrer comment autrefois les anciens permettaient une gestion de la communauté. Alors, je continue. Vous avez également des quiz pour travailler en famille, pour travailler en communauté, les animaux qui sont normalement tout à fait défendus au Congo, puis du vocabulaire, la canopée, les tourbières, l'humus, les mosaïques, l'agriculture itinérante sur brûlis, les problèmes que le réchauffement climatique peut provoquer au Congo, l'importance des plantations. Et le deuxième conte va mettre en valeur plutôt la mauvaise gestion d'une forêt et comment le chef va se rendre compte à quel point le makala et l'agriculture itinérante sur brûlis sont tout à fait néfastes. Voilà. Et on arrive à qu'est-ce qui arriverait si les animaux jardiniers disparaissent de la forêt? Et là, on a une enquête qui se fait dans les différents parcs, au Virunga, au Lopemba, dans les aires protégées diverses. Et c'est un pangolin qui va finalement donner les solutions.
en initiant les enfants à des principes comme l'arrêt, comme l'agriculture sédentaire avec la plantation de café, la plantation de cacaoyer. Voilà, c'est ceci. C'est un projet qui est exercé au Congo central avec des manuels traduits en langue, en lingala, en swahili, en kikongo. Avec quel sponsoring, madame ? Avec quel sponsoring, monsieur ? Eh bien, c'est Texaf Bilembo, qui est une ASBL congolaise, qui gère ça et qui essaye de trouver des fonds pour pouvoir diffuser cela dans les provinces. Et le gouvernement congolais, il est au courant ? Oui, bien sûr. Nous avons l'appui de différents sponsors, notamment la Trust Verkadbank, qui est une banque que vous connaissez. Il y a Texaf également, donc qui est le textile africain. Et on a des sponsors comme Racongo, on a des sponsors privés. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est pour une petite télévision congolaise. Qui êtes-vous, s'il vous plaît ? Alors, moi, je m'appelle Jack Jacoli et je suis auteur de polars et thrillers ainsi que de romans jeunesse. Très bien. Combien de livres déjà à votre actif ? Trois. Et oui. Publié par ? Alors, il y a J'ai lu, il y a Hugo Thriller et Ozu. Quel est votre secret pour être accepté par des éditeurs aussi prestigieux ? Ah ben, c'est beaucoup de travail, et de l'expérience. Et il y a beaucoup de manuscrits qui sont tombés à l'eau et d'autres qui ont marché. Et voilà. Et les manuscrits qui sont tombés à l'eau, vous les gardez quand même ? Peut-être qu'un autre éditeur sera sensible. Alors, c'est pas que je les garde, mais pas pour les redonner, c'est pour les retravailler après. Et donc, pour acquérir de l'expérience. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'effectivement, ils n'étaient pas si bons que ça. Et donc, il y a un retravail derrière du manuscrit. Est-ce que vous vivez de votre travail littéraire ? Non, pas encore. J'aimerais bien un jour, mais pas encore. D'accord. Et comment vous trouvez la part des livres cette année ? Ah oui, ah, ben ça fait vraiment plaisir de revoir plein de gens. Il y a énormément de personnes, en tout cas ça commence aujourd'hui. Et je sais que ce week-end, ça va être noir de monde, donc c'est absolument génial de voir les gens revenir vers la lecture et enfin vouloir rencontrer les auteurs, et etc. En tant qu'auteur, il y a sûrement des amateurs qui vous proposent parfois un texte pour dire « Tu veux bien jeter un coup d'œil, est-ce que ça vaut la peine ?» Qu'est-ce que tu leur dis ? Alors le gros problème, c'est que moi j'ai deux boulots et donc j'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas beaucoup de temps pour moi écrire, alors lire malheureusement les manuscrits des autres, c'est impossible pour moi. Et quelque part, moi je débute aussi, donc moi juger un texte, c'est compliqué. Quoi. Voilà. Je vous remercie beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous avez des livres imprimés à compte d'auteur, vous avez des livres imprimés à compte d'éditeur. L'idéal, c'est d'être imprimé à compte d'éditeur.